Bonjour à tous, bienvenue dans Civilization 6 en multicoop, Rise and Fall avec mon ami Rich Cool. Bonsoir Rich Cool. Bonsoir à tous, bienvenue à ce troisième épisode. Eh oui, le troisième. Bon, eh ben, on va voir comment on se débrouille. Est-ce qu'on a des choses à faire? Apparemment, il faut passer le tour, dis donc, mon grand. Déjà, dès le début. Et je vais en profiter pour enlever la grille. Clac. Et moi, je prends un gros risque. Tu veux attaquer une cité état, tu me disais, oui. Laquelle? Ouais, la Valette, parce qu'elle est trop bien placée au sud. Il y a trop de trucs intéressants autour. Ah, puis ça bloque avec les montagnes, ça protégerait ton royaume aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a Saladin. Bonne chance, moi je dirais. Je croise les doigts. Surtout qu'on est pas beaucoup technologique là, mais c'est peut-être le bon moment justement. Par contre, t'as pas d'armée encore, il va falloir y penser là. Ouais, c'est déjà en cours. Alors côté religion, t'avais réussi toi aussi ou pas? Je ne sais plus. Wow là, il y a un petit peu. Ah, et t'as le Panthéon colonie religieuse. D'accord. Alors on est en paix pour l'instant avec quasiment tout le monde. Non, avec tout le monde. Je m'entends bien avec qui moi? Avec le Brésil, le Japon. Bon, la géorgienne Tamar, elle m'embête un peu. Et la Corée, elle m'entend pas trop bien, mais la Corée est voisine avec moi, donc il faut que je fasse gaffe. Et pour le poste que j'ai vu dans l'épisode 2, qui était légèrement... ouais, je touche pas... normalement, je touche pas au fer. Enfin, je ne crois pas. J'en sais frichtre rien, et c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. J'ai tout exploré par là, va par là. Il y a de l'action à la Valette. J'ai encore un gouverneur. T'as manqué de l'action à la Valette, mec, désolé. Ah, c'est vrai? Oui, mais t'as pas de grosse armée pour l'instant. Oh là là. Tiens, on va se prendre un gouverneur pour l'argent et les ports. Nommé. Ça serait logique de mettre à Chouard. T'étais prêt à fumer à la Valette? Presque. Presque. Voilà. Je finis juste Aksu, je déplace mes gouverneurs. J'en ai trois maintenant. Alors la Valette, excuse-moi. Ouais, vas-y. Mais ton guerrier, il a pris une claque, hein. Il a deux guerriers. Ouais. Trois guerriers. Je l'ai... j'ai fait exprès pour qu'il prenne une claque. Alors... acheter, vous avez accumulé de la foi pour acheter un missionnaire, c'est vrai? Oh, bah on va aller voir ça tout de suite. Onglet foi. Oh, Saladin m'envoie une délégation diplomatique. J'ai mon premier missionnaire, c'est cool ça. Savant illustre, ok, on est bon. En gouvernement, j'avais choisi l'oligarchie, c'est bon. Ok. Moi j'envoie une délégation à Saladin et il accepte. Ouais. J'ai un guerrier qui protège par là, d'accord. Je regarde un peu ce que je fais. Un moulin à eau dans la capitale. Bâtissant 15 tours. Ok. Et une merveille. Bon, je voulais faire du commerce, mais elle n'a rien à m'offrir donc. Ouais, je regarde ici. Campus de sciences, non. Donc j'ai dû enlever le fer dessus, je pense. Merde. Bon, c'est pas dramatique. On va s'en remettre. Ok. État d'alerte, hein. Ah non, j'ai même plus de défense. Si, j'ai un archer. Je me sens un peu rouillé quand même, je t'avoue. Ah ouais? Mais c'est pas grave, ça va y trop venir. Je fais trop de jeux, je crois. Sûrement. Je peux pas te contredire. Allez, je passe mon tour, moi, ça va. Y a pas grand chose. En rapport, statut de ville, heureux, heureux, en liesse, tout va très bien. La loyauté est au top. C'est vrai, on a une colonne de loyauté aussi. Ouais, si tu cliques sur le bouton de loyauté, tu vas avoir toutes les... Il va falloir que je vois mes habitations. Oh là là, tu es ma la Valette, il y a de l'action. Bah, tu les as provoqués en même temps. Attends. Aïe, 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 aïe. Ah, ils t'ont explosé ton archer. Ils t'ont explosé ton archer. Je t'avais dit. Descends ton archer à Arpinum pour la défendre. Hein. Oui, je me suis mal préparé. Ah, il faut y aller au moins avec 3 guerriers et puis 2-3 archers, hein, je pense. Ouais. Mince, j'ai pas réussi à faire l'oracle, qui c'est qui l'a fait? C'est toi. Ah, tu m'as trahi.
On est en compétition quand même pour les merveilles. Ouais. Alors, Karakorum. Je regarde, je peux faire un temple, donc ce serait intéressant. J'ai mon bâtisseur. Moi j'ai mon émissaire. Je reprends ma ville et je vais refaire un autre colon. Du coup, moi je continue la production colon. En négociant, je suis au max. Ça sert à rien. Un char lourd, ça serait pas mal. On va se faire. Surtout pour le char lourd, il est surtout utile pour la reconnaissance. Ouais. Parce que l'agent de reconnaissance, il se fait abattre comme de rien. Alors, en commerce, par contre, je regarde vite fait, je fais une plateforme commerciale à la capitale, je pense. Il n'y a que du plus 2, plus 3, mais là, c'est occupé par la résière, je ne sais pas. Le REC m'a donné 3 points d'air. Alors, le missionnaire. Hop. C'est parti. Ah, c'est bien ce que je pense. On peut pas, je suis obligé de finir le campus, fait suer. C'est bien ça. Bon bah j'aurais appris à mes dépens. Après si t'as beaucoup de fer, je t'en prendrai. Faut que tu m'offres quelque chose de gros par exemple pour te faire. Bah si t'en as plusieurs, si t'as que un, je t'en prendrai pas évidemment. J'en ai deux unités de fer mais ça m'en prend deux minimum. Je sais où je vais aller, j'avais envoyé un archer là-bas, ok. Et moi j'ai repéré un autre site avec deux autres unités de fer. Ouais. Faut que j'aille coloniser tout au nord. Waouh. Le problème, tu as dit que si je décidais trop éloigné, la loyauté, cette fois, ça fait mal. C'est vrai, t'as vu les points de loyauté? Ouais. T'es prêt à fumer à la belette? Je me pose dessus. Vas-y. Il faudrait que ton archer fasse gaffe, quand même. Alors, ça fait quoi de retourner dans l'Antiquité? Ouf! Ah, tu viens de me passer de l'art classique, donc. Grâce au travail du fer. Ouais. J'ai perdu. J'ai l'argent! Influencé par deux pays, Candy. Oh là! Oh non! Ta mère, elle veut. Faire! C'est ma voisine en plus. Ah! Puis elle me donne 4 pièces d'or pour 30 tours, plus 5 pièces d'or. Oh, merci. Désolé ma belle, mais je refuse d'être d'accord. C'est marrant, je pense que je vais envoyer. Tu vas quand même pas me pomader avec tes propres affaires, avec mon propre affaire quand même. Ah ah! Là ça va aller mieux. C'est pourquoi? Dis. Regarde à l'arpinium. Je sors de ma fenêtre parce que j'ai une question à te poser après. J'étais en train de regarder les gouverneurs. Arpinium, oui. Ah, t'as fait un légionnaire. Enfin, en même temps, il est blessé. Question, quand tes gouverneurs sont dans les villes et que tu veux l'envoyer en cité d'état, c'est possible? On peut le faire en cité d'état? Parce que le seul que tu peux l'envoyer, c'est la... Second, je vais te dire ça. C'est Rena, non? C'est Amani. Ah oui, c'est Amani, d'accord. Bah, il faut que je débloque Amani, alors. Et je ferai ça. Missionnaire, oui. Voilà, je tends ma religion. Est-ce que je trouve du fer par ici? Ah oui, il y a du fer là aussi. Ah, oh, c'est joli. Mais ça, je peux pas les acheter, moi. Ah, ok, parce que j'ai pas encore l'hôtel. Tiens, c'est marrant comme tout, cette région-là. L'Arabie a fondé l'islam. L'Arabie est en guerre en provenance de l'Amérique. Les Américains déclarent la guerre à l'Arabie. Ça rigole pas, hein. Bon. Il faut que je pose une ville. Où est-ce que je vais mettre mon archer? Ça serait pas mal par là. Tu vas filmer à Arpinium? J'ai fait une gaffe là, j'ai fait une grosse gaffe. Je viens. On a tout notre temps, vas-y. Attends, j'ai un souci de carte. J'ai une unité qui m'a appelé, excuse-moi. Moi. Alors Arpinium, je sens un peu embêté là. Très embêté. Il faut poutrer les fantassins en urgence. Hein. Il faut que tu mettes ton archer dans la ville.
et que tu repousses avec tes forteresses, ton légionnaire va se faire exploser. Hein. Bah, je sais qu'il va se faire exploser, les légionnaires, il laisse de la place pour leur chute. T'as des actions à faire là du coup, ou c'est que du déplacement? Non, c'est beau. Choisir une production. Allez. J'ai fait une grosse gaffe. Je pense que ça va être compliqué, ouais. Faites une gaffe avec Monumental qui va me causer beaucoup de temps. Gouverneur installé, c'est bon. Inspiration, c'est fait. Habitation suffisante, où ça? Ah oui, bah ça, je fais ce que je peux, hein. Karakorum. Ou Karakorum. Alors, le Brésil a pris l'oligarchie. Ok. La Corée a envoyé une délégation au Brésil. C'est bon à savoir. Bon, je vais optimiser les carrières de pierre et après je vais faire la bouffe. Oui, merde, j'espère que tu fais ma débâcle, Arpinium. Je suis en train de finir un truc. Non, je vais y venir, Arpinium. Parce que au changement de taux, il y a beaucoup d'actions. Envoyé. J'ai envoyé à Mani un demande. Ah oui, on peut promouvoir les gouverneurs. Ouais. En fait, t'es pas obligé de prendre tous les gouverneurs dès le départ, tu peux les promouvoir aussi, c'est vrai. Ah oui, t'as quand même ton chat. Mais soit promouvoir une nouvelle gouverneur ou augmenter ses compétences. Ouais. Pour ça, pour l'instant, je laisse en stratégie défensive, j'aurai encore un titre. En 6 tours, ok. Des actions, mon grand? Ton chat, il fait quelque chose? Ouais, il fait quelque chose. Par contre, ton guerrier, il sert à rien devant l'archer, là, il se fait exploser. Faudrait que tu exploses les archers avec ton autre archer là. Je sais pas, faudrait que tu te défendes comme ça. Y'a pas moyen de faire la paix avec cet état là. Pas 20 du tout. Ouais. Ah, excusez-moi pour la petite musique. Oh non! Trompé! Oh là 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 là, ce que tu. Ah! Voilà. Par contre, mon cher Ishkul, petite ellipse, excusez-moi. Je filme comme ta séquence avant. Hop, micro ellipse n'avait rien vu. Alors, du coup, t'as plus d'action. T'as un nouveau légionnaire qui arrive. J'attaque à Arpinium. Ouais, bah oui. Côté dégâts, ça se passe comment, justement, sur le quartier? Ouf. Est-ce que t'as pris la carte plus 5 contre... Ah non, c'est pas des barbares. C'est vraiment une armée citoyenne. Ouais. Ah... Fais gaffe. En même temps, t'es courageux. Alors. Trop stupide, tu veux dire? Non. Allez, je passe le tour, moi. Alors, on va promouvoir la puissance religieuse. Et ici, ouais, ok. C'est ça que je peux pas acheter avec. Ok. Je comprends pourquoi mon hôtel n'était pas acheté, mais là, j'ai plus besoin d'autre chose. Je regarde mes éclaireurs, comment ils sont. On va le passer par là. Bonus d'engagement déclenché. Vous avez construit une ville à la région que vous avez fondée pour la première fois. Grâce à ceci, vous recevez des points d'air pour votre bonus d'engagement. Je suis à 39 sur 28. Hein. Donc je t'ai dit, je partais sur un âge d'or à la suivante, mais un âge héroïque même, je crois. Le japonais m'envoie un message. Fin de l'ère classique dans 8 tours. Il te reste à combien de points? Tu t'en sors de l'âge sombre, au fait? Je suis dans l'âge d'or. Bon, bah c'est bien. Tu es mal à RPM? Ouais. Dès le début, à chaque tour, il y a de l'action dans RPM. Arpinum. Arpinium, ouais. Ouais, vaut mieux que tu laisses ton archer dans la ville. Limite, tu le régènes un peu. Oh, c'est chaud. Il faut bourriner les archers. Oh là 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 là, 4 archers. Il est majoritaire par rapport à toi. Ah bravo quand même. Ah génial. Ah et toi c'est grâce au fer que t'as pu avoir les légionnaires du coup direct. Ouais. Tu as fondé près de Jérusalem là du coup? Je vois ton colon. Mais il y a une place qui a deux mines de fer dans un coin. Si je regarde... J'ai pas toute la carte comme toi, je pense pas. Pourtant si on est en équipe. Oh, tu prends sévère en dégâts, le char n'est pas fait dans la jungle. Traverser la rivière et la jungle, ça marche pas pour toi. Ouais, je vois ça. Ah ouais. Faut que tu le régènes et que tu viennes par derrière attaquer les archers. Ouais. Les légionnaires sont une bonne technique apparemment.
Alors, qu'est-ce qu'il me veut, Hirohito? Non, c'est Hirohito, c'est qui? Je sors rigolant. Alors, votre empire est à l'image de celui en du soleil plus, devant. En plus, il vient de me piller un quartier. Ah, il m'aime bien, le japonais. Ah, dans deux tours, je vais pouvoir faire la paix. J'ai commis une gaffe. Bon, la Corée est toujours hostile avec moi. Ah, il faut que je fasse plus de science pour qu'elle m'aime, d'accord. Ah, mais j'ai dû faire quand même chez moi. Ah, si, ça a marché, dis donc. Ah oui? T'as du faire? Ah, ça a dû prendre la ressource quand j'ai construit le campus. Ok. Du coup, je vais dans mes bâtiments vite fait. Karakorum. Non. Production. Ouais, campus. Et au fait, tu sais, la Tamar, là? Oui. Ben, je lui demandais, lui acheter du café. Combien est-ce que ça me coûterait par tour? Ouais. Son café coûte cher. 15 pièces d'or par tour pendant 30 tours. Un gouverneur installé, une découverte tradition, oui. Tout ça va pas, limite. Non? Travail du fer, c'est bon. Pas être éduqué pour être changé. J'ai la techno. Du coup, ça améliore nos barbares. Eh ben, on va upgrader 40 pièces d'or. On a l'argent. On est bon. 40 pièces d'or, moi ça m'en coûte 55. Mais toi, c'est légionnaire, ils ont un bonus d'attaque en plus, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Le colon va venir, du coup. L'attente de Tekamon. Je sais, mais je positionne des archers en prévision. Et voilà. Bien. Qui c'est qui me longe comme ça? La Corée qui avait un éclair comme ça. Ok. Ouais, je... les tours sont longs, les fins de tours sont longs. Un petit peu, hein, je trouve. Hein. Alors, avec qui je vais faire cette fois du commerce? Aïe 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 aïe, tu filmes, Arpignan? Je vais finir, mais donne-moi deux secondes, je finis. Sangju. Allez. Ouh là là là. J'ai fait une méga gaffe. Il faut pas attaquer au début. Il te faut une grosse armée, hein, tu vois. Allez, bourre les archers. Ouais, bourre les archers. Ouais. Ouais. Ton archer, par contre, devrait tirer sur les. Ouais, les guerriers. Bon, ça va mieux déjà avec Delgina. Ouais, ouais, ça va mieux. Bon, j'ai découvert monnaie. J'ai ouvert en Corée. Ah, parce que j'ai envoyé un marchand dans un pays étranger, je gagnais plus 1 en score. D'accord. D'accord. Donc, ils sont contents que je sois à Sangju. Très bien. Pierre 2 m'a envoyé une demande. Oui. Veux contre. Mon frère et le libre passage, oui. Il m'offre seulement des olives et une pièce d'or par tour pendant 30 tours. Alors ça, c'est utile uniquement si tes villes, elles sont pas heureuses et que tu veux augmenter l'activité. Parce qu'on sait que les ressources de luxe, c'est l'activité. Ouais. Et je vais demander, voir pour ces olives, qu'est-ce qu'il veut juste pour ces olives. Ouais. 15 pièces d'or par tour. Donc quand juste 22, ça va pas, non? Les olives de pierre du Brésil. Ah, les miens, j'irai là. Quoi, une fortune? Il me reste quoi? Deux? On va peut-être faire pour Axou. Ouais, je passe le tour. Alors, comment ça se passe avec toi? Bon, là, il a envoyé toutes ses troupes. Hein. De toute façon, il a encore trois guerriers, deux archers. Ouf, il ramène un archer. Et si t'es état, il ne fabrique que ça, il s'en fiche. Hein. C'est dommage que t'es un légionnaire qui est à midlife, parce que là, ça va être chaud. Ça, à midlife? À moitié de vie. Ton légionnaire qui est à Arpinum, là. Ah, ok, midlife, ok, ouais. Ouais. Oui, excuse-moi, d'habitude, je fais pas de franglais, hein. Est-ce que... Ah non, c'est parce que vos termes sont pas tout à fait les mêmes qu'ici, les termes de gamer. Ouais, et tu le finis avec le légionnaire du coup? Bien joué.
Le Japon a fait une merveille qui s'appelle le Jebel Barkai. Ok. Ouais, il y a des belles merveilles, hein. Mon missionnaire, propagation la dernière. Allez, la cité-état. Eh oui. J'ai un colon de dispo. Alors, je le pose où, ce colon? Il y a l'éloignement, il y a la cité-état. Voilà. J'arrive, c'est bon, je suis en train de placer un colon. Cool, avec le nouveau système, c'est que toutes les informations importantes dans le tête de la ville. Donc j'ai pas d'armée pour l'instant, mais je commence à fabriquer un char lourd déjà. Ouf, alors il s'est passé quoi? J'ai un avertissement de Saladin. T'as perdu ton légionnaire? Non. Ah ouais? J'ai l'impression, hein. À mon avis, tu peux déjà finir avec l'archer. Ouais, mais il y a pas du dégât. Ouais, t'es un guerrier, tu peux bouger. Ah non, je l'ai pas perdu. Il est où? Bah, il était aux archers. Ça, il est sacrifié. Mais oui, il est... Ah, oh là, ok, ouais, je l'ai perdu. T'en as un à Rome que tu peux envoyer. Mais il a éliminé un archer, donc c'est... Ouais, il y a du dégât quand même, pas mal. Namadol, confirmé. Bon, Saladin, il veut quoi, lui? Oh, toi, ton divin, tu peux te le mettre où je veux, hein, je pense. Ouais, je suis en concurrence avec la Corée pour une cité-état, d'accord. Bien, vas-y. Ah, et puis, par contre, ça donne tous les émissaires de chaque pays maintenant, c'est cool, ça. Ah ouais? Comment j'ai fait? J'ai cliqué à droite. Oh, si tu regardes au sud de Carthage. Alors attends, au sud de Carthage, la cité-état chez toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec la Géorgie? Il y a un problème? Avec Rustavi, il se fait attaquer. Oui, c'est les Carthaginois qui l'attaquent, c'est incroyable. Donc les cité-états sont quand même vachement plus balèzes. Bon, hein, t'es prêt à filmer? Bah je reviens. Vas-y. Ouais. Ton légionnaire, du coup, il charge ou il reste en repos dans la jungle? Il reste en repos pour l'instant. Il n'est pas assez fort pour attaquer le guerrier au sud? Ouais, mais je te signale qu'il y a 4 archers cachés dans la brume. Je suis pas sûr, hein. L'IA, quand même, là... Ah, je te dis, l'éclaireur, il se fait toujours avoir par les barbares. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé, là? Ah ouais, on peut pas passer. Bon, on va contourner. Il y a un pays qui est là. C'est le Brésil. Ah ouais, ils sont là, oui. Bonjour, le Brésil. Oh, il y a une défense, en plus. Hey, merde. Ah, j'ai rien à échanger avec lui. C'est dommage. Allez, je te fais plaisir. Je repasse le tour. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Un bâtisseur. Voilà. Tiens, j'avais Saladin qui m'a envoyé un avertissement. Pourquoi? Ouf. La nouvelle vague. Ah oui, c'est ma religion, c'est vrai. Fin de l'ère classique dans 4 tours, merci de nous le dire. Voilà, je fais à manger. Technologie, je vais regarder un peu ce que je débloque. Moi, je suis prêt à attaquer. 2 secondes, je suis presque prêt. Armée en terre cuite. Catapulte, aqueduc, construction navale. Ok. Je reviens vers toi. Arpinum, vas-y, action. Ah oui, ils sont remontés les archers, en effet. 3 archers, là. C'est pour ça que j'ai laissé mon... Tes 2 légionnaires peuvent charger au sud, de toute façon, les 2 peuvent y aller, là.
Les légionnaires sont très efficaces contre les gens chinois. Ouais. Ah, l'autre a déjà bougé, ok. Je vais regarder ce que me veut Saladin. Ah, ils aiment pas les autres religions, ça va être ça, eux. Oh, la Corée, lâche-moi avec... D'accord, on a mis tous les deux nos diplomates Anami dans la ville de Nanmandol. Oh oh. Et j'ai fini le temple d'Artémis, moi. Cool. Alors, un hôtel, plus 2 en foi, plus un point de prophétilus par tour. Oh oh. Oh oh. Ouais, j'ai un petit problème. Avant de te répondre... Genre, colon qui risque de se faire kidnapper. C'est vrai. Ah bah, il faut envoyer avec des armées, hein, fais gaffe. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais débloquer? Mercenaire, 8 tours. Ah! Moi, je viens de rencontrer le mont... Les explorateurs de Rome ont découvert le splendeur de l'Irue. Prestige civil, activé plus 1. En plus, mon premier légionnaire m'a donné 4 points d'air. Je regarde vite fait mes cartes, je suis dans les doctrines, là, mon grand. Et je vais te dire après... Okay. C'est chaud, il y a du choix. Mercenaire, c'est quoi? Ouais, bon... Ah, il faut les deux, d'accord. Allez. J'envoie un émissaire. C'est moi, le suzerain, ici. Carthage, c'est près de chez toi, ça? J'y touche pas. Touche pas Carthage, mon ami. Ouais, ouais, non, non. Je vais m'occuper de Candy, je pense, et de... Toronto, tiens, Toronto, c'est quoi? Oh, la vache! Toronto, c'est la capitale du Canada. Eh oui, mais elle est proche de moi, entre moi et le Brésil, donc je vais m'en occuper aussi. Du coup, j'ai un char. Ah, c'est cool. On va le déplacer un peu. Découvrir une merveille naturelle. Inspiration. Bon. Voilà. Et donc toi, ton colon, tu me dis c'est la mouise. Ah ouais, ça va être la mouise avec le barbare, oui. J'ai vu. Voilà. Je le sens pas. Ah non, c'est ton éclair qui est là-bas. Bah, ton colon, tu l'envoies comme ça. Tu le poses là près de Rome et entre Jérusalem et Rome ou... Riche cool? L'instant, oui. Ah oui, tu ouais, me fais peur. Je me dis, ça y est, t'es plus là. Mais parce que je veux absolument ces deux affaires d'or là. Ah bah, au début, quand on essaie de se placer. Ouais, ouais. Ouais, je vais voir chez toi. Arpinum, comment ça va? Arpinum, j'attaque. Pourquoi avoir voulu attaquer une cité-état dès le début? T'étais pas encore. Bon, là, ça commence à être mieux de toute façon. Là, avec tes légionnaires, et puis il faudrait presque 3 archers. Tu pourrais aller lui foutre la pâtée, là. Pas mal. À mon tour, déplacement. On va le laisser là pour l'instant, lui. Donc j'ai découvert une merveille, j'ai encore un point. La splendeur de l'œil de l'Afrique. Quand on est en âge d'or, on prend tous les points. Ouais. Bah ça approche là. Bon, rien de particulier, bâtisseur, bâtisseur. Et je fais un rempart à ma capitale. Ok. Est-ce que je me sens en danger quelque part? Pour l'instant non. Voilà, on va le laisser hop devant comme ça et on passe.
Tu fais mal à l'arpinium? J'arrive. Excuse-moi, j'avais pas entendu que tu avais une action. Mais à chaque tour, il y a de l'action. Je croyais que t'avais tout bougé, c'est pour ça. Tour. Là, je viens de voir ton bâtisseur, vas-y. Ce qui bouge, c'est l'ennemi qui attaque. Ah. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais mal à la balette, là, l'arpinium, il va y avoir une chance de l'action. Oui, j'y suis, j'y suis. Oui, le tour est passé, ça y est, ok. Pour que, l'ordinateur joue. Ouais. Bon, tu vois, il a fait la retraite quand même. Il faut que tu régénères ton... Ouais, ouais. Repli pour celui-là. Hein. C'est sûr. Et heureusement, il y a du renfort en route. Tu fais toujours ce Arpinum, si tu veux. Ok. D'où l'importance aussi d'avoir des caravanes qui relient tes villes pour aller plus vite. Hein. Ouais. Ah je suis vrai de Carthage. Hop, Carthage déclare la guerre à la Valette. Ouais, parce que je viens d'avoir Carthage dans mes... Dans d'accord. Mes... Bon. Qu'est-ce que je décide? Je vais envoyer mon guerrier en défense avec ma nouvelle ville. J'ai une quatrième ville, là. Qui s'appelle Keshker. Ok. Ouais, ça va être chaud pour toi, mais on va aller l'envoyer là-bas. Donc c'est quoi ce que j'ai découvert comme merveille? L'œil de l'Afrique. Ça donne un bonus de plus 1 en production. C'est vrai que c'est sympa, c'est pas vilain. Hop. Production dans mes villes. Alors Keshker, bah tout de suite, monument. Un bâtisseur, oui. Un autre bâtisseur, un rempart, un moulin à eau. Et puis pour être copain avec lui, plus 2. Plus 3. Je suis un bonus de campus, je cherche. Je vais essayer d'être cool en fait pour l'instant. Voilà. Je sais. Et je suis prêt. Ouais. Je mets un arpinium, il va y avoir d'action. On peut plus traverser les cités d'État si on n'est pas amis. Eh ouais. C'est pas possible. Il a dit qu'il y avait des gros changements. Ah ouais, non, mais c'est bien. Donc les frontières en pointillés, ça sert plus à rien maintenant, c'est pile coup quoi. Faut s'hydrater en tant que stratège. Hein. Allez, je te filme Arpinum tout de suite, après je ferai ma gestion, vas-y. Un petit peu, je dois encore patienter. Ok, alors je regarde mon avertissement. Le Japon maintenant. Ah, ils ont peur que je m'installe trop près. Bon bah je m'excuse, voilà, excuse-moi, voilà. T'es filmé ? Presque, je fais une gestion de ville, attends deux secondes. Ma ville de choix. Habitation, si on va faire un grenier pour gagner de l'habitation. Et j'arrive sur Arpinum et après je ferai ma gestion. Vas-y! Ah, ça a pas marché, merde! Ah, bah oui, tu traverses la jungle avant. Il faut des boisés, il faut des bâtisseurs, mais t'es en guerre. Déjà, tu reprends le dessus là. Mais avant de t'approcher à la ville, il faut une rangée de légionnaires et des archers. Ouais, ça c'est prévu d'un. Tu fais la recherche catapulte du coup? Ouais. J'ai la Corée qui me bloque pour te rejoindre, ça va être compliqué. Bon, en même temps, si c'est un continent, si je trouvais un passage... Je suis sûr que c'est un continent que je peux te rejoindre par la mer de l'autre côté, il faudrait que j'y aille. J'ai envoyé mes deux éclaireurs, j'ai fait deux éclaireurs en fait, un qui part à l'ouest et l'autre à l'est. Je peux acheter avec de la foi un missionnaire, d'accord. Ah oui, tiens, au fait, la religion, ouais. Avant qu'on finisse... vous devez acheter un... posséder un temple pour acheter des apôtres. Ah, il faut que je fasse un temple en urgence, d'accord. Ah ouais. En production, temple, c'est vu. Ça va être fait. Ok. Ok. Unité en attente, on va faire de la bouffe.
Ah, j'ai de la pierre à faire là aussi. Et je passe mon tour. Il nous reste 5 minutes, je pense. Ok. Déjà, hein, ça passe vite. Bon, c'est sympa là, ici. Il faudrait que je colonise sous cette partie-là. Tu sais quoi, je pense que je vais faire la paix avec la mallette. Ouais, et moi je vais déplacer un archer, du coup, je vais le mettre où? J'ai pas de coup, tant que la ville n'avait pas de rempart, ça allait, mais là, elle est avec des remparts. C'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, bon, écoute, je pense qu'on va sauvegarder ça ici, et puis on va voir au prochain tour le prochain épisode. Qu'est-ce que t'en penses, Richpool? Ouais, on va juste faire la paix avec la mallette, là. Essaye. Alors, faut que j'attende la fin du tour. Ah. Eh ben, écoute, on verra ça au prochain épisode. Merci à vous de l'avoir regardé. C'était l'épisode 3. En multi, on découvre Risenfall et on verra au prochain épisode. Merci, Richcool. De rien.